Hier matin, Supreme nous a annoncé la collection Capsule en collab avec Thrasher. C'est seulement la deuxième fois que les deux monstres du skate s'associent après les collections de 2015 et 2011. Cette fois-ci, on aura le droit à 6 items sur lesquels on retrouvera la devise du magazine Skate and Destroy ainsi que le visuel Boyfriend qui est présent sur pas mal de ces items. En bonus, Supreme nous a balancé une vidéo réalisée par Marc Gonzalez, skater et artiste qui collabore régulièrement avec les deux marques. Tout le monde a déjà vu le logo Thrasher, mais tout le monde ne connaît pas forcément son histoire. Mais vous en faites pas, parce que votre gars Elsie est là pour vous. Thrasher est un magazine de skateboard créé par Eric Svensson et Fausto Vitello en 1981. Il est distribué par High Speed Productions, qui est également à l'origine de Slap Magazine et de Juxtapose. Au départ, il contenait seulement une trentaine de pages et était distribué mensuellement à San Francisco. On pouvait y trouver des photos, des reports d'événements, mais également des rubriques sur les spots les plus secrets, et on avait même droit à une BD. Jack Phelps est le rédacteur en chef de Thrasher depuis 1993. Connu pour ses talents de skater, il se fait surtout remarquer pour ses nombreuses sorties de match. Dernièrement, le double maléfique de Jamie s'en est pris à Rihanna et Justin Bieber car il ne supporte pas que ceux qui ne connaissent rien au skateboard portent les items de sa marque. En grandissant, Thrasher est devenu une référence mondiale de la culture skate. Chaque année depuis 1990, ils remettent le trophée du Skater of the Year. Il est également à l'origine du King of the Road, un contest qui regroupe 3 équipes qui s'affrontent pendant 2 semaines autour de défis tous plus dangereux les uns que les autres. De grands noms du skateboard comme Eric Coston ou Stefan Janowski ont déjà participé à l'événement. Et en 99, le magazine a même eu le droit à son jeu vidéo sur PlayStation. Thrasher est aussi très présent dans le streetwear avec ses propres items, mais aussi grâce aux collaborations avec Uff ou Diamond Supply. Ça y est, Méné, vous êtes paré pour le drop de jeudi. Filez, préparez vos plus belles combis et n'oubliez pas de ramener votre skateboard pour le street style. C'était LCZ pour la minute. Bang, this music. I ain't selling.